Bonjour Lorraine. Bonjour Alex. Lorraine Castelli est thérapeute, expert en psychologie, en développement de soi et en relations interpersonnelles. Et c'est mon référent sur ces sujets-là, puisqu'elle anime le centre Soma depuis plus de 30 ans et j'y participe en tant que stagiaire depuis maintenant plus de 3 ans. Et je ne compte plus le bien que ça m'a fait, et c'est pour ça que je vous recommande. Mais là, dans cette vidéo, on va parler du choix de partenaire de vie, le choix de la personne avec qui on se met en couple. Et là, je voulais parler de ce que toi, tu appelles dans tes stages couple, du tamis. C'est-à-dire, par exemple, si on pense mériter que des miettes, eh ben, on va laisser passer à travers ce tamis seulement les personnes qui ne seront disposées à nous donner que les miettes qu'on estime mériter. Absolument. Alors, comment ça marche, cette histoire? Alors, j'entends beaucoup de gens qui me disent « j'ai encore attiré la même personne ». Ouais, attiré. Ouais. Voilà, le mot c'est « attirer ». Non, on n'attire pas les gens, on les laisse passer. Ouais. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose à comprendre. Pourquoi? Parce que on va, en fonction de la façon dont on aura vécu l'attachement avec son parent de référence, souvent la mère, la façon dont la famille s'est organisée, est-ce que c'était violent, est-ce que ça ne l'était pas, on va avoir une sorte de portrait robot de personnes qu'on va laisser arriver jusqu'à nous. Je m'explique. Mmh. Quelqu'un qui aura eu un parent violent va avoir, pour lui, de la violence autour de lui, c'est juste normal, c'est naturel. Ouais. Alors que pour quelqu'un pour qui la violence n'est pas naturelle, il va faire ça. Donc, dans ce tamis, ceux qui sont violents, si moi j'ai eu des parents violents, toutes les personnes violentes, je vais les laisser approcher parce que je n'aurai pas de warning qui me diront « hop, stop, ouais. Stop, toi tu passes pas ». Je les laisse arriver et quand ils sont arrivés jusqu'à moi, ben, déjà souvent il est trop tard. J'ai déjà commencé à nouer un lien avec eux et je vais me dire « je les attire ». Non, je les ai laissés passer. Là où ma voisine, depuis longtemps, ne les aura même pas regardés, leur aura fait comprendre que tel ou tel type de micro-signe qui vont signer un comportement violent, elles les auront détectés et auront dit non. Mmh. Voilà. Et ça marche pour tout. Les personnes disposées à donner, les personnes qui vont avoir des micro-signes, c'est quand même beaucoup ça qui joue, qui seront plutôt généreux, plutôt dans l'empathie. Ouais. Beaucoup de femmes disent « je voudrais un homme gentil ». Et très souvent, les hommes gentils passent et les traversent comme des fantômes. Mmh. Et elles ne vont s'intéresser qu'à des hommes plutôt plus dirigistes, plus... voilà. Et elles vont dire « je n'ai pas trouvé un homme gentil ». Non, pas, tu les as pas trouvés, tu les as pas vus chez lui. Ouais. Et ben oui. Ouais, tout à fait. Et si on prend un exemple peut-être assez extrême, l'exemple du coup de foudre... parce que ça, c'est un exemple de choix de partenaire, pas forcément pour la vie, mais ça peut le devenir. Pour toi, c'est quels facteurs qui peuvent provoquer ce coup de foudre? C'est vraiment multifactoriel. Parce que dans l'idée du coup de foudre, il y a énormément de points de reconnaissance. Alors ça va passer par tous les sens. Hein. C'est aussi bien visuel, olfactif, tactile, on ne réagit pas tous aux mêmes choses. Donc il y a une chimie. Faut pas oublier que dans ce coup de foudre, on est fait aussi pour s'attirer. Ouais. On est nombreux sur cette planète parce que aussi on a de quoi se reproduire. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans « on va ensemble pour se reproduire », évidemment. Ouais. Mais le mouvement qui nous attire les uns vers les autres, ce côté irrépressible pour aller les uns vers les autres, peuvent être hormonaux, peuvent être... Enfin, il y a des milliards de facteurs. Donc là, tu évoques une sorte de compatibilité génétique. Il y a une compatibilité génétique, il y a une... Enfin, de plus de faire hormones, on pourrait presque plus dire ça comme ça que génétique. Il y a... C'est quasi il y a animal. Aussi, oui. Il y a aussi, évidemment, des micro-signes. Et ça, on peut... Là-dessus, on peut jouer. Il va y avoir tous les micro-signes qu'on va pouvoir reconnaître ou pas. Dans le coup de foudre... Pour ceux qui ne connaissent pas le terme micro-signe, c'est tout ce qui peut être non-verbal et paraverbal, c'est-à-dire des regards, des expressions faciales, des gestuels, des postures, la tonalité de la voix, le rythme de la voix. Et qui disent beaucoup, beaucoup plus que les mots eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'on va être plus attiré par les micro-signes qui émanent de quelqu'un que par ce qu'il dit. Ce qu'il dit va s'adresser au cortex. Je le dis souvent sur cette chaîne. On va le vivre complètement autrement.
autrement. Bien et sûr. Les micro-signes, c'est tout ce qu'on a vécu avant le langage. C'est ce qui nous a permis de survivre dans l'attachement jusqu'à ce qu'on puisse commencer à formuler les premiers mots. Mmh. Donc, on va aussi retrouver ce tamis, c'est-à-dire qu'on peut être fasciné par quelqu'un parce qu'il va, à un moment donné, représenter, peut-être, malheureusement, une forme de violence qu'on va reconnaître et on va vouloir rejouer ça, se recolter à cette violence qu'on a vécue dans l'enfance. Ou complètement inversement, trouver une douceur, une... Et on va être très attiré. Après, est-ce qu'on saura l'accepter? Ça, c'est autre chose. Mmh. Donc, c'est vraiment multifactoriel. Mais ça sonne vrai, dans mon expérience de rencontre avec Carole, ma femme, puisque quand je l'ai croisée dans le métro, je me souviens, j'étais au téléphone, ça captait bien dans cette rame-là, j'étais au téléphone avec mon meilleur ami, et je lui avais dit qu'il se passait un truc spécial. Parce que j'avais bien senti que c'était pas... comme vous savez, j'avais déjà fait beaucoup de rencontres avant de rencontrer Carole, mais il s'était joué quelque chose de particulier ce jour-là, et c'est pas quelque chose que je peux expliquer consciemment. C'est du niveau des micro-signes. Les micro-signes, on les interprète très bien inconsciemment, beaucoup moins bien consciemment. On saura pas peut-être mettre le doigt sur ce qui se passe et l'expliquer, mais oui, je l'ai senti, et à ce jour, je peux pas vraiment expliquer. On va le comprendre a posteriori, souvent. Sur tous les micro-signes, on peut les comprendre a posteriori. Mmh. Ah oui, finalement, voilà, j'épouse des musiciens. Je te dis, voilà, j'avais des parents musiciens. Ah, donc oui, il y a je me rends compte que malgré tout, j'ai beaucoup plus rencontré de musiciens que de banquiers. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Bah oui, et de mon côté aussi, ça va peut-être te faire rire parce que tu sais à quel point j'aime bien être délibéré dans mes actions. Et donc ça ne te surprendra pas d'apprendre que quand j'étais en recherche d'une femme avec qui me poser en couple, bah, j'avais écrit une description du genre de femme que je cherchais, plutôt de sa personnalité, bien sûr, que son physique. Et je me suis rendu compte a posteriori, comme tu dis, que Carole, c'est dingue comme elle matchait bien avec cette description-là, que je recopiais tous les matins. Tu vois, c'est comme un process. C'est ça. Mais peut-être que tu as recopié une compréhension de toi aussi que tu avais, c'est ce que tu voulais. Mais c'est vrai que quand on a un coup de foudre, d'un seul coup, on est transporté ailleurs. Et cet ailleurs, c'est un espace où tout va être possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent. C'est-à-dire que ça match de partout. Ouais. Et on va pouvoir... Il y a l'espoir gigantesque de vivre une aventure, vivre avec un grand A, de vivre quelque chose de complètement nouveau et qui donne du sens. On n'a pas beaucoup parlé de la notion du sens, mais c'est important. Mmh. D'un seul coup, même pour une nuit, il y a du sens. On ressort de là et on est quelqu'un en plus. Ouais. Et c'est ça que ça apporte, le coup de foudre. Ce qui m'agace souvent, c'est que on entend dire que j'ai choisi telle et telle personne ou j'aimerais telle et telle personne par rapport à certains centres d'intérêt ou certains loisirs partagés. Disons des critères qui sont relativement superficiels. Et j'ai l'impression, et tu vas me donner ton avis, que finalement, c'est peut-être pas très important tout ça. Non. Moi, je trouve que très souvent, les gens qui veulent que la personne aime tel type de musique, tel type de littérature, et qu'il aime beaucoup faire des sorties et qu'il aime la nature. Alors, c'est pratique. Évidemment, si tu aimes faire des randonnées et que tu as quelqu'un qui a deux pieds dans les mêmes souliers, bon, il y a un moment donné où... Mais ce qui compte, c'est la différence. C'est-à-dire, l'apport de l'autre, c'est qu'il soit différent, donc il ait un monde à lui tout seul. Mais il faut être curieux. Si on demande que l'autre soit juste une réplique de nous, elle est où l'aventure, elle est où la curiosité? C'est bien qu'il y ait une partie qui fonctionne, mais pour le reste, surtout prenez... Faites exactement comme vous avez vu les spermatozoïdes, quand ils arrivent et qu'ils se rencontrent, ils vont... L'ovule ne laisse passer que le spermatozoïde qui amène le patrimoine le plus différent. Oui. Et ben c'est pareil quand on rencontre quelqu'un, et d'ailleurs dans le coup de foudre, on le ressent déjà. On va vers quelque chose qui va faire en sorte qu'on va changer de tribu. Et ça fait partie du mode séparateur. C'est-à-dire que pour bien vivre un couple, il faut que chacun soit séparateur de l'autre, c'est-à-dire l'emmène en dehors de sa tribu pour lui faire vivre une belle aventure. Et s'il est trop pareil, il l'emmène juste sur le palier d'à côté, ça n'a aucun intérêt, autant rester dans son palier. Bah tu sais, il y a certains sites de rencontres qui sont positionnés justement sur un matching d'affinités comme ça, et on passe à côté de l'essentiel. Je pense. Oui, et je dois dire que dans mon couple avec Carole, c'est vrai que c'est parfois agaçant que je partage avec elle quasiment aucun loisir, aucun passe-temps. Et d'un autre côté,
Je vis ça et elle aussi comme quelque chose de positif parce que ça permet un espace d'indépendance, c'est-à-dire de se retrouver seul et d'être content de se retrouver en couple après. Bien sûr. Donc c'est pas plus mal. C'est même bien. Après, c'est bien aussi de pouvoir trouver des points de convergence, des loisirs en commun, ou de s'amener l'un vers l'autre. Faut aller goûter, c'est la curiosité. Parler de goûter la nourriture à un moment donné, c'est découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux... On est fait pour apprendre. Donc, quelqu'un qui aime lire et qui connaît pas la randonnée, ben voilà, au moins il y va, il essaye. Et puis s'il essaye accompagné par quelqu'un qu'il aime, il va retrouver un autre regard. Donc on en ressort beaucoup plus riche. Mais effectivement, d'avoir chacun des choses à soi, c'est un espace d'autonomie. Et l'autonomie, c'est ce qui rend le couple plus solide. CF la vidéo sur la bonne distance dans le couple. Voilà, exactement. Et comme ça, la boucle est bouclée. Bah, merci Lorraine pour ce partage. Bah, très volontiers. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les stages proposés par Lorraine ou pour aller plus loin avec elle, sachez que je connais bien ce que Lorraine propose puisque j'y participe en tant que stagiaire depuis maintenant plus de 30 ans. 3 ans. Là, je me vieillis. Ah, ça, c'est trop depuis joli. Depuis 3 ans. Moi aussi, j'aime travailler avec toi, Alex. Depuis 3 ans. J'espère un jour pouvoir dire cette phrase. Yes. On sortira la vidéo à ce moment-là. On sortira la vidéo. Alors, depuis plus de 3 ans, à la fois dans les stages qui sont sans limitation de durée dans le temps et sans engagement dans le temps aussi, et cela, je l'ai fait depuis 3 ans, et à la fois sur des stages ponctuels comme le stage couple auquel j'ai participé comme stagiaire récemment. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? T'as un groupe en formation actuellement. C'est-à-dire que je monte en fait rarement des groupes. C'est une quinzaine de personnes. Donc ils sont un peu sur liste d'attente parce que on ne peut pas faire des groupes plus gros que ça. 15, c'est bien. J'en monte à peu près tous les 3-4 ans. Et c'est maintenant. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui peuvent être intéressés à faire un travail de groupe à long terme, je remonte un groupe qui va démarrer, je pense, à l'automne. Il va y avoir des moments de présentation. Le 1er juin, il y aura un apéro discussion autour du travail qu'on a fait. 1er juin 2017. 1er juin 2017. Si vous regardez en 2022, vous avez loupé. C'est fini. Ou alors c'est peut-être qu'il y en a un autre qui arrive. Il y aura sûrement d'autres, ouais. Voilà, donc la meilleure façon de me contacter, c'est soit de m'envoyer un mail sur lorraine.castelli@hotmail.fr, soit d'aller sur Centre Soma, donc en minuscule tout attaché, .fr, et là, eh bien, vous aurez les dates, tous les renseignements, et surtout vous pourrez me contacter via le site, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Top. Voilà. Merci Lorraine et à bientôt sur d'autres vidéos. À bientôt. Au revoir.